Pour un vlog, on est jeudi, donc c'est pour le vlog du dimanche, ça va de soi. Je pensais le faire demain ou après-demain, et finalement, je vais descendre aujourd'hui, donc j'en profite, je me maquiller, donc du coup, je me suis dit, c'est l'occasion qui fait le larron. Vieille expression. Alors, quelle nouvelle cette semaine? En tout premier, je tiens à toutes vous remercier pour vos petits mots sur ma dernière vidéo, vlog. Je vous remercie vivement. Je crois qu'on est nombreuses quand même à ressentir ça. Ça me rassure un peu quand même. Voilà. Et deuxièmement, je tiens à dire bienvenue aux nouvelles. Car j'ai eu une influence. Enfin, j'ai eu une vingtaine d'abonnés d'un coup. J'ai pas trop compris. Donc, si vous savez, ou si les nouvelles là, vous m'avez découvert grâce à quelqu'un, est-ce que vous pourriez me le dire, s'il vous plaît, que je puisse remercier la personne? Voilà. Puisque c'est vrai qu'en ce moment, à part les vidéos de Scrap, je ne regarde quasiment plus de vidéos sur YouTube, vraiment. Je regarde vraiment que les vidéos de Scrap pour m'apprendre les techniques et tout ça. Mais après, là en ce moment, c'est, je crois qu'en même temps, ça fait quasiment 5 ans que je me mange des vidéos un nombre incalculable par jour. J'ai dû en faire une overdose et... Et là, je regarde de temps en temps quelques copines, style Aurélie, les choses comme ça, qui je fais des gros bisous d'ailleurs. Mais très peu, en réalité très peu, même les copines, je les regarde très très peu. Voilà, je suis dans une phase où j'ai envie de me déconnecter un peu, pas au niveau de faire des vidéos, hein, puisque là j'ai dit ça y est, je redémarre. Mais d'arrêter d'être devant mon écran tout le temps, puisque depuis que j'ai maladie, il faut savoir que je suis quasiment... 8 heures par jour sur l'écran, donc en train de regarder des vidéos, des choses comme ça, ou Facebook, ou... Là, je me suis dit, ça serait peut-être bien, là, tu as trouvé une création manuelle qui te donne envie pour l'instant, je sais que ça me passera comme tout le reste, hein, mais bon, qui te donne envie pour l'instant, plonge-y en plein dedans, histoire de faire autre chose que d'être sur un écran. Déjà, pour mes yeux, ça serait peut-être pas plus mal. D'où le fait que, du coup, je ne sais pas si quelqu'un, si c'est quelqu'un qui a parlé de moi ou si c'est juste, voilà, ça s'est trouvé comme ça. Donc, par avis de conscience, je préférerais savoir si c'est quelqu'un et si c'est quelqu'un de pouvoir le remercier. Voilà, cette parenthèse est faite. Alors, sortez de ça, quelle nouveauté? Je vous disais que j'étais avec le Sony Xperia Z. C'est toujours la semaine dernière, puisque le J5 était en SAV. Donc là, j'ai plein de nouvelles. Le J5 est arrivé, donc c'est pour ça que je descends aujourd'hui. Ils n'ont rien trouvé comme problème. Pourtant, la société de réparation m'a appelé pour savoir c'était quoi exactement le problème. Je lui ai bien expliqué, je lui ai dit ce qu'il faudrait qu'il fasse. Apparemment, ils ne l'ont pas fait. Ce qui fait qu'ils n'ont toujours rien découvert. Donc, vous savez, l'histoire de faire une fausse adresse pour fausse adresse mail pour pouvoir mettre des applications et voir que ça bug. Donc, tant pis, je vais la prochaine fois, je me déconnecterai de tout. Et je laisserai les applications pour qu'ils se rendent compte. Et surtout, je laisserai le message d'erreur, puisque à chaque fois que je réinitialise, le message d'erreur s'en va. C'est logique. Donc, voilà, obligé de faire ça. Et sinon, la personne du SAV m'a dit, au pire, contactez le service Samsung. Donc, je vais attendre. Je vais voir s'il revient, là, si ça le refait. Si ça le refait, je laisserai tout. Je vais pour voir pour qu'eux y voient. S'ils ne trouvent rien... À ce moment-là, je vais contacter Samsung parce que là, ça commence à me plaire. Mais quoi qu'il arrive, celui-là, je me dis que je vais le revendre. Voilà. Après, il marche très très bien. C'est juste par rapport... Alors, je me demande si c'est pas Snapchat qui pose problème. Je me demande vivement. Alors, j'hésite à le remettre. Mais en même temps, ça me manque. Mais ça me manque vraiment. Si vous saviez, quand je sors la chienne, ça me manque, quoi. Snapchat, ça me manque. Donc... J'hésite entre les deux. Je bourgeonne un peu en ce moment. Ça va être le changement de saison, je pense. Et donc, pour revenir sur le Z, il m'a lâché. Ça y est. Après 3 ans de vie commune, il m'a lâché.
Il m'a dit, ça y est, j'en ai marre, je m'en vais, je te quitte. Voilà. Donc, du coup, je me suis retrouvée pendant une journée ou deux, je sais plus, avec le Player One. Donc, faites une recherche si vous n'avez pas connu ce portable. Faites une recherche sur Player One. Vous allez voir, aucune application, quasiment rien. C'est génial, il faut appuyer sur l'écran pour que ça marche. C'est pas un sensitif, c'est un tactile. Donc, ce qu'on a maintenant, c'est les sensitifs. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus sensibles. Et les anciens, il fallait bien appuyer pour qu'on sente, quoi. Enfin, pour qu'ils fassent l'action. Donc, je vous dis pas, un peu... Moi, j'ai été surpris quand même, parce que le bébé, il a quand même 10 ans. Et lui, je lui ai mis la batterie, il a redémarré de suite. Donc là, franchement, alors, j'ai dit, lui, je vais le mettre de côté, voire le mettre dans mon sac. Surtout que la batterie, ça faisait au moins 6 ans que je l'avais pas rechargé. Hein, parce que je savais même pas où était le chargeur, donc pour vous dire. Et il a redémarré, mais nickel. Enfin voilà, il marche nickel. J'avais changé pour avoir quelque chose de plus moderne, hein, mais pas parce qu'il était. Pas parce qu'il avait une panne. Voilà. Donc, et au niveau de la batterie, impressionnant, parce que je savais pas où était le chargeur. Je suis restée 2 jours, la batterie a pas bougé. Bon, en même temps, on y fait beaucoup, mais beaucoup moins de choses. Mais bon. Donc, ça, et puis, bon, je désespérais avec mon Player One. Super frustrée quand même, déjà par le volume, parce qu'il est tout petit, parce qu'il n'y a rien. Fait. Et j'ai le S2, qui était un rad lui aussi, qui la dernière fois ne voulait pas se rallumer et tout. J'ai retrouvé sa deuxième batterie, parce que je jouais sur 2 batteries. Et la deuxième batterie a fait qu'il a démarré de suite. D'où le fait que maintenant je suis avec le S2, j'ai voulu me remettre les applications que j'aimais bien. Il est plus compatible, là, il n'y a plus rien. Donc voilà, même Instagram, je ne peux pas y aller dessus. Je ne vous dis pas comment je suis malheureuse. Je n'en peux plus. Je suis là, pourtant il m'énerve. Hein. Le J5, je ne supporte pas. Mais alors, si vous saviez comment je suis pressée de le retrouver, lui. Parce qu'au moins, je peux mettre mes applications dessus. Je ne vous dis pas, je suis dégoûtée. Donc... On s'est dit, hein, on va essayer, dès que je peux, on essaiera de le changer pour partir sur un portable. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais me mettre sur les yeux, puisque il fait gris aujourd'hui, limite, il est tombé quelques gouttes ce matin, donc j'ai pas envie de me mettre avec des trucs super joyeux. J'ai envie de me mettre avec un truc, je vais réutiliser celle-là. Un petit moment que j'hésite. C'est vraiment, vraiment neutre, celle-là. Vous remarquez, si j'en sors une, là, ça sera du neutre. Hein. Donc, je regarde quand même ce que j'ai d'autre. J'hésitais entre celle-là et la Nike Kid. Une des Nike Kid. Non, je vais prendre une Nike, là. qui sait pas du tout. Je vais prendre la 2. Voilà. Ouais, on va repartir sur ça. Allez. Je sais par contre ce que je mets sur les lèvres, mais je ne savais pas ce que je mettais sur les yeux. Sur les lèvres, je mets... Ah, le père arrive. Mon homme, si vous préférez. Quand elle chouine comme ça, c'est que je vais mettre celui-là, le tea machin, tea et cookie, tea and cookie de NYX. Il arrive? Papa arrive? Je sais pas. Ça me paraît un peu tard quand même pour un. Ou alors c'est parce qu'il y a du bruit, ça lui plaît pas. La fenêtre s'est ouverte. J'ai tendance à regarder mon retour, désolé. Alors que j'ai toujours plus ou moins fait, mais là. Je fais souvent beaucoup. On va pas être tranquille. Je crois que ça va être compliqué. Oui, surtout que oui, c'est lui qui arrive, c'est sûr, puisqu'il vient d'amener la poubelle. Donc écoutez, attendez, avant d'avoir un œil, hein, je vais lui donner les dernières nouvelles, lui expliquer un petit truc, et je vous retrouve juste après. Je n'ai pas fini de me maquiller, vous inquiétez pas. Voilà, je vous retrouve juste après. Alors, je ne sais plus où j'en suis, très franchement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc pour le portable, je pense que c'est bon. J'ai fini.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, j'ai eu la glossie ce mois-ci, tout bêtement, parce que... Il m'énerve. Je suis con, hein, j'y retourne à chaque fois, mais... si on commençait à se maquiller, ce serait pas mal. Le penpot, penturly. Alors, le mois dernier, il y avait une promotion. On pouvait avoir la glossy pour moins de 10 euros, je crois, ou 10 euros, je sais plus. Je crois qu'Azalia l'a pris aussi. Oui, elle avait craqué aussi. Il y avait un produit Benefit. C'est Benefit. Oui, c'est Benefit, ça. Avec le rouge à lèvres, là. Donc, on l'a pris pour ça. Par contre, moi, je me suis résiliée pensant que c'était bon. Il m'énerve de jouer sur des trucs comme ça, franchement. Je me suis résiliée le 17. Il fallait se résilier avant le 15. Ce qui fait que eh bien, j'ai eu celle de ce mois-ci. Il me gonfle avec ça. Bon, je l'ai eu. Je reconnais que d'une, la boîte est très belle. Elle est vraiment très jolie. Et de deux, le contenu est, ça va, est plutôt sympa. Il n'y a que la petite brosse pour les pinceaux là, qui m'intéresse que très moyennement. Donc je ne sais pas encore si je vais la tester. Parce que j'en ai une d'un site chinois, n'est-ce pas? Donc je ne sais pas si je vais la tester. Je ne sais pas si, si je ne vais pas vous la faire gagner. Enfin, je ne sais pas encore. Donc voilà. On verra, on verra, on verra. C'est la seule chose qui me déplaît un peu dans le dans la box. Après, je reconnais que celle-ci est plutôt sympa. La boîte est vraiment, vraiment magnifique. Mais elle est quand même plutôt sympa. Donc, on va pas trop se plaindre. Du coup, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai tourné le room tour, mais je crois que je vais le retourner. Donc il faut que je vois parce qu'aujourd'hui c'est le dernier délai pour me le retourner puisque demain ou demain matin à la rigueur. Demain il faut que je vous mette la vidéo, donc il faut que je la monte et que je la fasse. Donc voilà. Le room tour, ah oui, si je vous dis pas lequel le room tour, le room tour de la bibliothèque. Voilà, je vous avais dit avant les vacances, je crois, ou avant que qu'il y ait le. La rupture, on va dire, je vous avais dit que je vous ferais un rond tour de la bibliothèque si j'arrivais à la faire, si on arrivait à la faire, et comment on l'a faite. Du coup, voilà, je pense vous faire une petite vidéo là-dessus. Je ne sais pas quel phare mettre. Je viens de mettre le tease, bien sûr, en creux. Et j'hésite entre le suspect, le beauty girl. Le chopper, j'aime bien le chopper aussi, mais j'aime bien le suspect aussi. Ça m'énerve quand je ne sais pas lesquels choisir. Alors, je fais souvent ça, quand je ne sais pas lesquels choisir, c'est que je les mets sur ma main. Et une fois sur ma main, je me dis, je vois mieux celui que je vais utiliser, et je vais utiliser le suspect. Vous voyez? Parce que comme ça, je les compare, les deux qui me font hésiter, je les compare. Suspect et beauty... non, pas beauty, chopper. Et ouais, je vais utiliser le suspect. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Donc voilà. Donc oui, aujourd'hui, je vais descendre pour aller chercher mon portable en premier. Et puis, je vais passer un petit peu à l'action parce que j'ai plus de céréales pour déjeuner. Enfin, il m'en reste plus beaucoup. Je ne vais pas prendre celui-là, le pinceau, parce qu'il n'est pas pratique pour ça. Il ne me reste plus beaucoup de céréales, donc je prends celle d'Action, mais là je vais prendre que celle à l'avoine. C'est des céréales bio, parce que c'est celle que je préfère entre toutes. Donc, s'il y en a, parce que parfois il n'y en a pas, s'il n'y en a pas, ben, je prendrai les autres. S'il y en a, je prendrai mes céréales à l'avoine. Je me suis aperçue que j'appréciais vraiment, vraiment, vraiment. Donc, voilà. Et après, ben, je sais pas, je regarderai quand même ce qu'il y a dans le magasin. Je peux pas faire des folies, hein, donc on ira sans doute doucement. Je vais aller faire un coucou à Zélia qui n'est pas du tout du côté d'Action, mais c'est pas grave. Je mets le Busted. Je vais aller faire un petit coucou parce que cet après-midi, elle est toute seule. Ses collègues sont de congé.
Donc voilà. Et à part ça, et ben, pas grand-chose de nouveau. À part que je viens de me mettre de la poudre dans l'œil, mais ouais, pas grand-chose de nouveau. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ouais, il n'y a pas grand-chose, hein. Mais je suis sûre que j'oublie quelque chose. C'est surtout ça, c'est que je suis sûre que je me suis dit que j'allais vous dire un truc et que j'ai oublié. Il y a toujours le concours ouvert, hein, pour la crème L'Oréal. Donc profitez-en. Ça s'arrête la semaine prochaine. Donc pensez-y. Il faut que je vous tourne. C'est midi. Il faut que je vous tourne. Ça ira, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, on va pas faire non plus. La routine, parce que je l'ai changée. Donc il faut que je vous la tourne. Et il faut que je vous tourne une petite vidéo. Alors ça m'embête de dire ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, puisque je crois que c'est Valenco qui utilise ce terme-là. Mais c'est des choses que j'ai reçues en partenariat, on va dire. Et j'aimerais vous faire un petit point quand même. Même si je le redirai à chaque fois, mais je voudrais vous faire un petit point. D'ailleurs, je pense que j'ai oublié de mettre de le marquer dans les commentaires. Je vous l'ai dit l'autre fois quand je vous ai montré la crème, mais je ne vous l'ai pas dit marqué. Il faut que je fasse. Ce que j'ai reçu, donc il y en a, c'est des tirages au sort parce que j'ai participé. D'autres, c'est vraiment du partenariat. Enfin voilà, plusieurs choses. Donc je voudrais, comme je veux que les choses soient claires. Il faut que je vous fasse une petite vidéo dédiée à ça, mais donnez-moi des idées de comment intituler la vidéo, puisque je vous dis dans la boîte aux lettres, ça m'embête un peu vu que elle, c'est ce qu'elle utilise comme terme. Donc je ne sais pas trop. Mes partenariats, ça fait un peu. Ça me plaît pas. Ouais, donnez-moi des idées, s'il vous plaît. Sinon, je trouverais bien un titre à un moment venu, mais. Ça, ouais, j'ai pas d'idée là. Donc n'hésitez pas. Il a coulé ou quoi lui? Je me demande s'il a pas coulé un peu. Et il avait coulé un peu. Vous savez, au niveau de. Là. Juste avant la mine. Voilà. Donc après, vous savez que c'est la première fois que je me maquille autant depuis. Au moins 3 mois. Autant, hein, je parle, ça veut dire faire la complète. Parce que même au niveau des yeux, je n'ai pas fait grand-chose ces derniers temps. Donc je me concentre pour l'eyeliner, vous m'excuserez, hein. Vu qu'en plus ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Ah, jamais. Il y a une pointe qui part vers le haut et l'autre qui part tout droit. C'est bien. Bon, bah écoutez, hein, on va dire que je m'en suis mis sur le doigt. C'est bien. On va dire que ça va aller. Hein. Les deux ne sont pas du tout identiques, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. On va laisser comme ça. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va aller? Ça va aller. On va faire que ça va. Ah oui, il y a les promos beauté Leclerc. En ce moment, d'automne. Je pense pas craquer du tout. Je vais juste peut-être, essayer de me prendre un Revlon mat. Parce que j'en ai qu'un, un Color Boost. J'ai le corail, mais c'est même pas sûr, je ne sais pas encore. Merde. Non mais je vous dis, j'ai plus la technique là. Donc j'ai regardé vaguement dans le catalogue, enfin le catalogue, mais je me suis pas trop penchée sur l'histoire. D'une, parce que j'ai du stock.
Voilà, j'ai pas mal de stock. Et de deux, parce que les finances ne suivent pas en ce moment. Administration française, merci. Alors, on sait bien parce qu'on est aidé. C'est pas ironique ce que je dis. C'est vraiment bien d'être en maladie, de toucher quelque chose, quoi. Hein. Voilà, ça c'est plutôt bien. Par contre, le côté qui me gave prodigieusement, c'est leur délai de 14 jours. Moi, en plus, je suis salarié à la base. Donc pourquoi ils nous versent pas le mois complet? Et si on vient qu'à reprendre avant, et ben par exemple, l'employeur, il reverse au nous paye à nous, il paye la partie à la sécu, quoi. Enfin, je sais pas, trouver un autre moyen où il faut qu'on rembourse, point. Mais là, c'est tous les 14 jours, je vous dis pas la galère. Je suis pas la seule, hein. Je sais qu'on doit être nombreux dans ces cas-là. Mais là, ça commence vraiment à tirer. Le mois dernier, j'ai eu même pas la moitié de ce que j'aurais dû avoir. J'ai pas compris pourquoi d'ailleurs, mais bon. Je pensais qu'ils allaient réajuster. Et non, disons que j'ai eu 24 jours au lieu de au moins 28 jours. Et mine de rien, ben, les 4 jours qui manquent, ben, ça se ressent, hein, je vous le dis. Oui, c'est pas la moitié, mais bon. On n'a jamais. Dites-moi si c'est moi qui calcule mal ou. Enfin, de toute façon, non, je calcule pas mal. Est-ce que c'est mon cas ou quoi? Et que les autres, ben, vous n'avez pas ce problème. J'ai jamais mon mois complet. Je ne touche jamais le mois que je devrais toucher. Je le touche jamais complet. Voilà. C'est toujours par moitié et tout. Enfin, pas moitié, mais bon. Disons que j'ai 2 tiers. Ça me saoule, quoi. Parce que les factures, elles arrivent, on les a pas par 2 tiers, on les a entières. Donc, ça me coufoule un peu, ça. Donc voilà, ça c'est les plaisirs de l'administration et d'être en arrêt maladie. On verra bien. Là, j'aimerais bien que. Alors d'un côté, finalement, maintenant j'ai pris mon rythme et je suis pas si mal à la maison. Mais d'un autre côté, au niveau. Bon, déjà de voir du monde, hein, ça serait pas mal de. De revoir du monde, voilà, mais c'est le côté financier qui me manque, hein, franchement. Hein, quand on est salarié, tant qu'on n'est pas notre bonheur. Hein. Ben si, je connaissais, mais bon. Là, il y a un moment, je me dis, je repousserais bien pour reprendre. C'est pas moi, hein, qui veux pas reprendre, on veut pas que je reprenne. Je pousserais bien pour dire, non, mais là, c'est bon, vous me faites reprendre, et puis voilà, quand même. On se débrouillera. Je sais pas, ça me saoule un peu. Ça me saoule un peu. Après, je vous dis, je commence à prendre mes marques et tout ça. J'ai mes occupations. Voilà, après, c'est vrai, je vois pas grand monde, mais sorti de ça, c'est plutôt pas mal ce côté-là, quoi. Mais bon, je préfère quand même. Comment dire. Être un peu plus en dehors de chez moi, voir avoir un peu moins mes marques, mais être un peu moins emmerdé financièrement. Voilà. Après, c'est pas encore la catastrophe. Hein. Rassurez-vous, n'ayez pas peur. C'est pas la catastrophe, mais bon. C'est pas gagné non plus. Hein. Enfin, sorti de ça, pas grand-chose. Depuis que le 1er septembre est apparu. Je trouve que ça a fait une rupture au niveau du temps. Bon, on a encore des fortes chaleurs, hein, mais bon, il y a l'ambiance, je crois, qui joue dessus. On a une vraie rupture, quoi. Enfin, je trouve. C'est assez impressionnant. J'hésite. J'hésite à ce que je vais mettre sur les joues. Parce que je vais mettre celui-là, donc sur les lèvres, c'est un rose. Donc, j'ai quelque chose dans l'œil, ça m'énerve. Et eh oui, je me suis mis de la poudre tout à l'heure dans l'œil. Et forcément, après, ça, mais ça. Je vais mettre celui-là de Kiko, là. Je vais mettre le plus foncé. Non, quoique. Attendez. Ouais, je vais mettre le. Bah non, attendez, je vais encore changer. Parce que sinon, celui-là, je n'aurais quasiment pas porté. Je vais mettre le Brésil de MAC. Voilà. Donc, j'aime bien celui-là.
Je vais essayer de me laisser pousser la frange, mais c'est pas gagné puisque c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal. Alors sur le coup, il fait vachement. Il fait. Mais je vais l'estomper. Je vais l'estomper. Oui, j'en mets que sur le haut des pommettes. Parce que sinon, ça donne l'impression que j'ai le visage qui se casse la gueule. Très glamour, ce que je viens de dire. Et ça, je fais l'astuce. C'est Sissi Vivi qui en a parlé dans une vidéo. Et je reconnais qu'elle a eu, elle a une brillante idée, là. Enfin, je pense qu'elle l'a... Ou ça lui est venu comme ça. Ou elle l'a vu, ou je sais pas. Mais vous... vous vous poudrez après d'avoir mis le blush et tout ça, et du coup ça estompe en même temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça évite que ça soit trop. Donc du coup vous êtes poudré et vous avez estompé ce que vous avez fait avant. Et la poudre aide à cet effet là. Voilà. Petit vlog, hein. Enfin petit vlog, non, il aura été long puisqu'il aura été en deux fois. Je pense, enfin bon, comme d'habitude. Mais ce que je veux dire par petit vlog, c'est mes cheveux font n'importe quoi. sans grand intérêt, enfin, je vous annonce pas des grandes choses. Je suis sûre que j'oublie quelque chose. Je suis sûre, mais je ne sais pas quoi. Voilà, c'est surtout que si vous me voyez pas sur Snap, eh ben, c'était normal, hein, c'est parce que j'ai plus de portable, voilà, qui est compatible. Sur Snap, Instagram et tout. Hein. Bon, Instagram, j'arrive encore sur le PC, mais Snap, voilà, pas moyen. Par rapport aux nouvelles venues, donc si quelqu'un veut m'éclairer, me dire si c'est juste du spontané ou si c'est parce que quelqu'un a parlé de moi, donc ça serait bien que je le remercie. Voilà, et surtout un grand merci pour vos petits messages réconfortants. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain, quoi qu'arrive. Et là, je vais tourner, il faut que j'arrive à tourner les autres vidéos. Allez, bisous.